Aujourd'hui, sur le cours de compas, on va démarrer sur le pas de base, mais dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu pour la semaine prochaine ce qui va se passer. La semaine prochaine, on parlera du compas dans son ensemble, vous expliquer un petit peu les origines du compas et de la salsa et de la bachata pour voir les différences et les relations. Bonjour. Vous êtes venu essayer, c'est bien. Ouais. C'est bien. L'idée, c'est de vous voir. Daddy, c'est mon beau-frère. Rémi, à nouveau. Bonjour. Enchanté, Rémi. Bonjour. Gladys, ma femme. Prenez place avec nous. Alors, on va démarrer le cours tranquillement. Donc, je reprends le pas de base, comme il y a beaucoup de nouveaux aujourd'hui. Donc, on va partir sur un pas binaire. Et entre-temps, on va juste rajouter un petit relâché de bassin. Ce qui donne ça, ça me fait... Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Ce petit « et » est vraiment très important dans le compas. C'est ce qui va différencier des autres danses binaires. Voilà, vous voyez, c'est comme la marche. Si vous savez marcher, vous savez danser. Très bien, c'est très bien aujourd'hui. Donc, on va tester tout ça en musique pour voir ce que ça donne. Vous allez voir, c'est très simple. Il faut se laisser porter, c'est tout. Okay. Allez, on y va ensemble. 6, 7, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 1, et 2. Voilà, n'oubliez pas, l'accent, il n'est pas sur la posture, il est vraiment sur le et 3. Voilà, relâchez bien dans le bassin. Voilà, on en a été. Il fait beau, il fait chaud. On se relâche, on se détend et on s'avoue. Yeah, super. Bon, allez, on va passer en couple maintenant. Mettez-vous deux par deux. Alors, tiens, Rémi, tu te mets avec la nouvelle au fond, là-bas. Mélanie. Et toi? Rémi. Ok, je vous mets la musique et on y va.